dans votre nouvelle émission Vivart TV. Alors, c'est le week-end, c'est le 15 août. Nous sommes en vacances, nous sommes au golfe d'Arras. Didier Ligné, je suis donc... avec Jean Monturi, le repreneur des sociétés du complexe golfique d'Arras, projet que nous avons mené depuis maintenant 18 mois avec un homme bien connu et ô combien connu, Monsieur Gervais Martel. Et avec Jean, depuis le 22 juin, nous avons acquis l'ensemble des entreprises du complexe golfique d'Arras. Dans le complexe d'Arras, il y a l'hôtel du golf, mur et fonds de commerce, mais il y a aussi la société d'exploitation du golf et ce bel endroit dans lequel nous sommes qui est le fonds de commerce du restaurant L'Infini. On a les trois grandes fonctions réunies. On peut venir se reposer, être hébergé à l'hôtel du golf. On peut venir se restaurer à L'Infini, mais aussi se restaurer à l'hôtel pour les séminaires, par exemple. Et puis surtout, jouer au golf sur l'un des parcours qui est donné comme étant l'un des six plus beaux parcours de golf au nord de Paris. On a travaillé depuis 18 mois avec Gervais et Jean à un projet stratégique pour ce golfe d'Arras, qui d'ailleurs s'appellera désormais l'Arras Golf Resort, pour lequel on veut un produit global d'une seule entreprise, visant l'excellence, visant la qualité de service et permettant d'avoir l'attractivité que ce site se doit d'avoir, d'autant plus avec l'arrivée du Louvre-Lens et le récent classement au patrimoine mondial de l'humanité décerné par l'UNESCO pour notre cher bassin houiller. Les changements en clair, c'est un site qui va avoir une toute nouvelle image demain, un hôtel qui va évoluer vers un hôtel 4 étoiles, un restaurant L'Infini qui est ouvert 7 jours sur 7, et ça c'est déjà fait depuis le 6 mai, et puis un golf dont on va s'efforcer d'avoir une qualité de parcours qui soit toujours comme étant l'un des plus beaux parcours. Ça, je crois que c'est important. La qualité de service pour nos clients et pour faire que nos clients s'y retrouvent et passent ici un bon moment. Et puis, bien sûr, une table d'affaires pour les entrepreneurs artésiens. Alors, il n'y aura pas d'agrandissement à l'hôtel. Il y aura des travaux de rénovation. L'hôtel s'est construit en deux parties, une plus ancienne et une plus récente. Dans la plus ancienne, on va changer les moquettes, on va revoir les sanitaires. On va vraisemblablement aussi changer l'accueil de l'hôtel, qui sera plus au même endroit, avoir un bar encore un petit peu plus cosy que ce qu'il est aujourd'hui, et puis en faire un hôtel de 62 chambres, mais ô combien apprécié, non seulement par sa qualité de service, mais aussi par son positionnement stratégique. Avec Gervais, avec Jean, on travaille sur d'autres projets, d'autres grands événements qui auront lieu sur le site, bien évidemment. Mais là, allez, on vous en réserve la surprise.
nous rencontrer, de venir nous voir, de venir voir notre directeur du golf, et même de s'adresser à l'hôtel ou ici. Et on peut venir prendre une formation, prendre des leçons, et on peut venir faire du practice et commencer à jouer au golf, bien sûr. Nous sommes toujours au golfe d'Arras. Entretien avec Didier Ligné qui nous a parlé de Jean Monturi, son associé. Bonjour Jean. Bonjour Olivier. Alors, comment se porte Infini ? Infini se porte bien. Ça fait 5 ans aujourd'hui que nous sommes ouverts. Le développement est intéressant. Aujourd'hui, on va intégrer l'Arras Golf Resort, qui sera le nouveau nom du site, qui ne sera plus le golfe d'Arras, mais l'Arras Golf Resort. Donc l'Infini va bien. Notre chef de cuisine, Michel Sauvage, est toujours là. Donc il nous concocte toujours des petits plats agréables, que ce soit pour la carte d'été ou la carte d'hiver. Le salon Gusta pour les professionnels est toujours à disposition. On fait des soirées, on organise des anniversaires, des repas divers. Bref, l'activité se porte plutôt bien. Alors on vient pour manger, pour s'amuser, mais aussi pour bosser, je crois. Effectivement, on peut y travailler puisque notre salon peut recevoir jusqu'à 30 personnes pour divers réunions ou séminaires. Voilà. Donc on peut y travailler, on peut même travailler dans l'espace bar l'après-midi puisqu'il y a du Wi-Fi, il y a des prises pour brancher son PC. On peut y bosser toute la journée. Alors Jean, le chef est en vacances. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, avoir une petite recette ? Bien sûr, Romain, son second, va vous préparer un millefeuille aux fruits rouges. Et j'espère que vous pourrez le déguster sur la terrasse en profitant du soleil et de la vue sur le 18. Alors, c'est prêt comme ça ? Bonjour, aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de Michel Sauvage qui est le millefeuille aux fruits rouges. Donc, il se compose de fruits rouges. Forcément, donc, ici, nous avons la fraise qui vient de Belgique, très savoureuse. Les groseilles, un mélange de groseilles, groseilles rouges, groseilles blanches qui viennent de France. Et la myrtille et... une petite fraise d'agada, histoire de rappeler lors de notre enfance un petit clin d'œil aux enfants. Une crème mascarpone. Alors la mascarpone, soit on la fait nous-mêmes, ou soit on l'achète déjà tout fait en magasin, en grande surface. Dedans, vous pouvez y rajouter un peu de crème liquide, bien la fouetter. Un peu de sucre, légèrement, si vous désirez, mais pas obligatoirement. Un coulis de fruits rouges, une tuile aux amandes. La tuile aux amandes, c'est simple, c'est un mélange de beurre, vergeoise, miel. On fait fondre le tout. Une fois que le tout est fondu, on rajoute de la farine. Après, on cuit au four. Donc on met ça sur des plaques. On cuit au four, ça sort rond, on laisse sécher. Voilà, tout simplement. Alors pour commencer, nous prenons de la mascarpone. Donc pas mal. C'est assez bon. Assez copieux, nous en mettons en base pour faire tenir la première tuile. Donc nous prenons la tuile, nous posons, nous rajoutons encore de la mascarpone. Donc, il faut être assez généreux en mascarpone. Hein. Hop, nous allons prendre les fruits rouges. Vas-y. On prend la fraise. Donc, on peut le disposer un peu comme on le souhaite. Hein. Il n'y a pas de disposition vraiment spécifique. C'est histoire vraiment d'avoir un beau dessert. Petit mélange, un peu de groseille, histoire de donner un peu d'acidité. Pas grave si ça tombe sur le côté, justement, ça permettra un peu de faire de déco à la fin, tranquillement. Hop. Donc dessus, nous allons encore rajouter de la mascarpone. Donc, toujours la mascarpone. Hein. Hop. La dernière tuile que nous mettons dessus, donc la tuile aux amandes, qui se marie super bien avec les fruits rouges. Après, pour s'amuser, un petit coulis de fruits rouges. Hop, tout simplement. Un petit coulis de fruits rouges au-dessus. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la petite fraise tagada qui rappelle un peu l'enfance.
histoire que les gens aient un petit goût sympathique aussi. Sa couleur, et voilà. Un petit millefeuille aux fruits rouges, fait en 30 secondes, rapide à faire, efficace, simple, pas cher et super bon. Frais l'été, c'est magnifique. Je vais tout manger. Romain, c'est excellent, c'est bon, c'est frais, c'est de saison. De saison, tout comme le prochain sujet que vous allez redécouvrir. Nous étions en début de saison Vivart TV à Aquarena, un nouvel équipement communautaire pour accueillir les enfants, les adultes de la communauté urbaine, où on peut nager, où on peut faire du spa, on peut faire de la piscine. Je vous laisse redécouvrir tout ça. Bonjour, je m'appelle Johan Lefebvre, je suis le directeur du centre Aquarena d'Arras. Nous sommes ici dans les gradins du centre aquatique et vous avez une vue sur l'ensemble des bassins. Où nous avons un bassin sportif 25 mètres, nous avons un bassin d'activité qui fait à peu près 200 mètres carrés, un toboggan de 66 mètres, une pataugeoire et chose un peu plus originale pour un centre, une aire de jeu qui sont des jets d'eau qui sortent au niveau du sol. Dans les équipements cachés, tout le monde a pu remarquer qu'il y a une perle au-dessus du bâtiment. Alors cette perle abrite ce qu'on appelle le joyau du centre. C'est un bassin balnéo chauffé à 33 degrés qui fait 240 mètres carrés avec une scénographie tout autour. Et c'est vraiment un lieu de détente et de bien-être. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire un aspect assez cocooning pour les gens. Alors, nous avons également un MAM, deux saunas, une salle de détente, une salle de luminothérapie avec des banquettes chauffantes, une salle de cardio-training, une salle de cours fitness, une salle de studio RPM. Et au mois de septembre, nous allons ouvrir également sept salles de soins. En zone humide, nous avons tout ce qui est aqua-fitness. Nous avons également une activité qui est très en vogue qui s'appelle l'aquabiking. Nous avons vraiment des activités qui vont de 6 mois à 99 ans puisque nous commençons au niveau aquatique par les bébés nageurs qui sont accessibles dès l'âge de 6 mois. Et ainsi de suite, nous avons des activités pour les enfants, donc le bébé nageur, le kidsmania, les cours de natation, l'espace aquatique. Et après, pour les adultes, nous avons les cours d'aquafitness, les cours de fitness, ainsi de suite. Il n'y a vraiment pas d'âge pour venir au centre. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7, y compris les jours fériés. Toujours rafraîchissant de retrouver les émissions de Vivre en Artois sur Vivart TV. Très rafraîchissant le Morito. Olivier, tu nous montres un petit peu la recette avec tes secrets. Hein. Bon alors, pour faire un bon Morito, il nous faut de l'amande fraîche, du citron vert, du sucre, le rhum brun bien sûr, de l'eau de Perrier, une épice langostura, des pailles, un concasseur et de la glace pilée. Hop, parti. C'est parti. Alors on met une dizaine de feuilles de menthe dans le verre. Toujours, il faut que c'est du goût. 2-3 quartiers de citron, hop, un petit peu de sucre, voilà, on ajoute le rhum, 4-5 centilitres, on n'hésite pas, il faut que c'est du goût aussi, hop, on écrase tout ça, pas trop pour pas arracher la menthe non plus. Ensuite, on rajoute un peu de glace, la glace pilée bien sûr, jusqu'en haut. On mélange tout ça, hop, un petit peu de Perrier, langostura, on mélange un coup, on remélange un coup, et voilà. Santé Olivier. Santé Olivier. Délicieux. Tout comme le prochain sujet que nous allons revivre, nous étions il y a quelques temps avec les Jouteurs d'Arras pour vivre le 200e anniversaire des Jouteurs. Nous allons revivre ça avec passion, j'en suis sûr. C'est une belle histoire. Je vais résumer vite fait. En 2007, j'ai interpellé M. Hollenberg, qui était à l'époque sénateur-maire, et je lui ai montré en fait les locaux que nous avions. 20 mètres carrés. Il n'a rien dit, il est parti. Octobre 2007, la ville nous annonçait qu'elle allait nous faire une capitainerie, un local.
13 juillet, 14 juillet aujourd'hui, on y est, nous y sommes. Donc un bel outil avec une zone technique pour mettre nos bateaux. En bas, il y a les vestiaires hommes-femmes, toilettes hommes-femmes, ascenseur pour les PMR. En haut, nous avons aussi les toilettes, un bureau pour le président, un clubhouse et un beau belvédère vu sur le bassin. Donc, c'est pas beau ? Vous avez combien de jouteurs qui vont venir fréquenter ce bâtiment ? Eh bien, écoute, aujourd'hui, nous sommes 104 licenciés. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir, avec ce bel outil, si vous voulez le faire vivre. C'est pas simplement des vestiaires et une zone technique pour mettre les bateaux, c'est aussi un outil de développement du club. Travailler avec la région, avec le département, avec la ville d'Arras, avec la communauté urbaine d'Arras, pour pouvoir fédérer des jeunes, les collèges, les lycées, les centres aérés. D'ailleurs, fin juillet, on accueille un centre aéré. Donc symboliquement, le fait d'avoir un nouveau bâtiment, ça permet de développer la joute dans la Rajoie. Tout à fait. Alors, si tu veux, auparavant, quand on sortait les bateaux du bassin, au mois de septembre-octobre, en fin de saison, nous n'avions que les fantômes sur le bassin. Aujourd'hui, nous avons une vraie identité matérielle sur le bassin. J'adore les vacances. J'ai oublié, bras tendu, dos droit. Parfait. Oups, j'espère que c'est pas tombé dans les boves. Les boves, séquence que nous avions tournée à deux pas d'ici, à Arras, avec Marion de l'Office du Tourisme. Alors ici, donc effectivement, nous sommes dans les Beauves, qui sont des carrières de pierre calcaire creusées au Moyen-Âge, entre le 10e et le 12e siècle. Donc on pense que la pierre qui a été extraite de ces carrières a servi à construire les premiers édifices religieux de la ville. Et
puis après, ces carrières, elles ont eu de multiples fonctions tout au long de leur existence. Hein. On s'en est servi comme lieu de stockage, ensuite pendant la Première Guerre mondiale, pour préparer une attaque contre le front allemand, menée par l'armée britannique. Donc voilà, hein, toute une vie qu'on présente aux visiteurs au cours de visites guidées, puisqu'effectivement, il y a des visites proposées tous les jours pour les gens qui le souhaitent, qui sont de passage à Arras. Donc des visites le matin, l'après-midi, mais on ne peut pas descendre seul. Le petit plus, c'est qu'effectivement, il y a toujours un guide pour accompagner le visiteur. Alors on est sur plusieurs centaines de mètres, hein. C'est vraiment une petite partie de cet immense réseau. Au total, on a 20 km de carrière sous la ville d'Arras. Là, on ne visite que quelques centaines de mètres. Ça prend environ 45 minutes. De l'étymologie, en fait, on ne sait pas d'où vient exactement le mot bauve. On sait juste que ça correspond effectivement à l'origine, à des carrières de pierre. Mais c'est vrai qu'on tique toujours un petit peu sur l'origine exacte de ce terme. L'accès au Beauve se fait depuis l'office de tourisme, il suffit de descendre quelques marches et effectivement on se trouve à l'entrée des Beauves, donc c'est vraiment très très simple d'accès. Voilà, notre émission Vivre en Artois se termine. Nous nous retrouvons cette semaine avec les programmes d'Agora Web TV. En attendant, profitez de vos vacances, profitez de ce beau week-end du 15 août. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, je profite de mes vacances. C'est cool le golf. Excuse-moi Olivier, je me suis trompé de couleur, je suis désolé.